Well, hola, todo. Hace un poquito frío aquí, ¿eh? Well, vamos a hablar de un tema muy importante hoy, el día de hoy. J'ai avec moi également un ami qui vient d'Afrique. So, il est là aujourd'hui. Je vous ai promis ça, ça fait longtemps que nous allons avoir avec nous des gens de différents pays. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'entendre, bien de voir ce confrère qui vient d'Afrique. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est aussi important. Donc, c'est comment question travailler dans le pays de l'Espagne. Donc, c'est une question que, en pile monde, il y aurait aimé connaître comment ça est, comment question travailler donc, dans le pays. En fait, spécialement en tant qu'haïtien. Nous toujours dit dans le pays de l'Espagne parce que nous parlons spécialement des côtés navires. But, pas tout à fait en Espagne, mais surtout en Europe. Parce que une chose que je réalisais, c'est que le salaire que je fais en Europe, donc le capé des dizaines de monde qui vivent dans quelques pays en Amérique, qui est très important. Donc si vous venez partager vidéo ça pour nous, nous saluons Haïti, nous saluons le monde, partager vidéo ça et puis pour être capable d'information yo et puis comme ça tout me capable de répondre quelques questions en plus mon t'a posé sur Facebook. J'aimerais dire déjà seconde question pas poser sur Facebook mais poser une question sur YouTube parce que ce sont des centaines de monde qui a vu un message sur page Facebook moi l'aime publier donc une information sur l'Espagne. J'aime dire sur channel ça très bientôt on va des informations actuellement en espagnol parce que on vient des vidéos et nous prenons les deux communautés Amérique latine qui ici avec channel noir. Donc m'encourage à abonner sur votre faire ça et pour qu'un projet on vient pour mettre dehors très bientôt. Question travail dans le pays ici. Donc spécialement ça me relève salaire minimum. Son bagage qui a ici intéressé avec l'empile, comment salaire minimum n'en y est dans le pays le bord. D'abord, qui est salaire minimum? Je vais répondre pas à la question ça. Donc, salaire minimum, non? C'est ça y a un monde qui est comme salaire ou bien comme une cam en anglais. Donc, il y a un monde qui est plus petit niveau, bien un plus bas niveau. On prend un monde qui travaille dans nettoyer petit grand monde donc il est dans niveau salaire minimum. Un monde qui travaille dans propreté caï monde, il est dans niveau salaire minimum. OK? Donc un monde qui travaille dans restaurant donc qui lave assiette, qui suit table, qui propreté restaurant, monde ça yo, il est dans niveau salaire minimum. Mohamed, ferme la porte. Donc, on a un niveau salaire minimum. En fait, j'ai dit ferme la porte parce qu'il y a beaucoup de bruit là. So, il y a un niveau salaire minimum. C'est ça que le salaire minimum, non. Donc, en Haïti, nous pas trop gain différence salaire minimum, blablabla, bla, bla, parce que pas de travail. Mais dans tout pays dans le monde, il y a un salaire minimum. Donc là on parle de profession de nos niveaux professionnels, donc où travaille pour un salaire minimum. Bien que ici là, mon cap touche salaire minimum yo, yo pas veut dire yo pas une profession, parce que tout le monde pour travailler ici à Atlas pour faire un petit travail, faut qu'on étudie sur le faire. Mon cap nettoyer yo, faut que tu apprennes
limpier ça. Moun ki nan cuisine yo, faut que nan ko cuisine. Moun kap servi client yo nan restaurant yo, faut que apprendre ça. Ça veut dire gen job ou fait ou an nan niveau salaire minimum nan, ça pa veut dire pas gen profession, c'est profession de toute manière. Sou pa gen profession, la carrément difficile pour joindre travail. Donc, premièrement, pays en fait un pile exigence pour moun apprendre bagay, pour moun gon bagay nan tout. Ici, tu fais un pile exigence, pas seulement ici, en Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France. Donc, yo tout, yo fait un pile moun, yo fait un pile exigence, même j'ai aux États-Unis, donc qui fait mon exigence pour apprendre un bagay de manière que pour qu'à travailler. Donc, sou pas apprendre rien, donc, comment? Donc, pas espérer que ou apjoigne travail facile. Ça va pas faire du travail, mais ou apjoigne travail facile. Donc, l'on apprend une profession, c'est plus facile. Donc, ça qui est important, c'est que l'espace baille moun en pile opportunité pour moun apprendre profession yo, parce que majorité profession, donc, qui n'a niveau en petit technique en bas yo, ou pas même besoin de payer quoi pour yo pour apprendre yo. Donc, l'État, Union Européenne finance yo. Ça veut dire, son moun besoin yon serveur dans le restaurant, on serveur dans le restaurant, donc yon relè yon camarero, donc ou apprendre ça gratis, ou pas payer quoi pour ça. On coupe cuisine, ou pas payer quoi pour ça. Pour travailler donc comme dans hôtel, dans niveau hôtellerie, ou pas payer quoi pour ça. Donc l'État finance pour ça. L'aime ou pas payer quoi pour ça, veut dire, ou aller côté l'État financier pour apprendre pour ça. Et même dans le niveau plus haut, électricité, quelque informatique, donc l'État paye quoi pour ça tout, donc pour apprendre sans pas payer en goût. Donc, là où on a l'école privée, on a un coût professionnel, académique, donc là, on paye l'argent, et il est cher, mais en plus le coût qu'on peut apprendre en attendant, sans que on pas payer l'argent. En nous, on a notre salaire minimum. Donc, on va aller exactement sur Internet là, de manière que pour me capable partager ensemble avec vous quelques idées, comment souvenir la France, l'Italie, souvenir dans un pays ça. Donc, combien quoi vous espérez toucher. Mais avant tout, avant moi de combien quoi vous espérez toucher, caille. Vous pensez à ça également. Combien quoi ou pas enfermé en caille pour rester sous son monde. Par exemple, sous son seul monde ou débarque au vide dans le pays, il n'y a pas aucun problème. Sous un niveau 250 € ou besoin un monde qui loue ou yon chamkay carrément pour un mois dans 250 € pour rester sans aucun problème. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Font titan et puis pour me caban non information j'en lis hein. Partagez vidéo à sous Fekvini. Partagez vidéo s'il vous plaît, partagez-le. Donc pour l'autre zan minyo capable de rejoindre. Et j'aime te dire nous également si vous avez une pile question pour moi quand profitez poser une question yo, profitez poser une question. OK? Donc salaire minimum en Espagne actuellement faut que moi dis nous que li a 1050 € par mois depuis juin 2019 qui se passait. C'est 1050 € yon moun kap travay nan niveau salaire minimum nan fait par mois. Différent ak la France, yon moun ki la France fait 1521 € donc par mois. Donc ça c'est salaire minimum ni. Pendant que Portugal li fait seulement 700 €. Donc comme salaire minimum ni en par mois. Donc ici là, donc li nan 1050 €. Mais j'aime ça dit là yo, majorité qui travaille en bas yo, le prend un coup comme camarero, ou prend un coup cuisine, donc on fait 1200, 1300 € niveau salaire minimum ou après niveau 1200, 1300 ou ka fait 1200, 1300, 1300 €. Donc ça c'est question salaire minimum l'Espagne. Mais si on moun fait, donc admettons que on moun fait 1200, il fait 1050 €. On est exactement ça qui dit sur internet là, qui dit 1050 euros.
OK? So, là, on fait 1050 euros. Qui ça le café avec elle pendant un mois? Son seul monde. Un seul monde avec 1050 euros, la loué yon la blon chamkay. Donc, chamkay là, c'est un chamkay partagé. Parce que ou pas besoin de monde qui gon chamkay seulement pour louer ou, avec bain, avec cuisine, etc. Donc, ou loue un chamkay quand on partage la commune. C'est-à-dire, un monde loué. Kaisa et puis lui loue en chambre là-dedans. Il loue en chambre là-dedans. Donc, vous capez ça dans 200 à 200. Bon, on dit 200 euros. 200 euros, vous avez besoin en chambre là. Pour 200 euros, on seul mounouye, ou pas de mari, ou pas de madame, ou pas de visite, sauf vous avez en chambre là pour 200 euros. Donc, avec 200 euros également, vous faites provision pour manger pendant un mois. Dans chambre là pour 200 euros, hein, lumière la donne, de l'eau la donne, tout à fait la donne, on va gagner un peu encore. So, on fait une provision pour 200 euros pour manger pendant un mois, ça fait 400 euros. On va retirer 100 euros pour transport, donc ça déjà fait 500 euros. Donc, on va économiser en 550 euros. Bon, c'est comme ça y est. So, si vous êtes un monde qui vague, ou ka gaspiller tout ou pas économiser rien pour ne pas connaître l'homme Jap ou parti ou vini en Espagne ou pour faire 4, 5, 6 000. Non. Qu'on y a là, on compare l'Espagne avec la France. L'Espagne fait 1050 euros, la France fait 1521 euros. C'est sûr, 1521 euros. So, ici, avec la France, c'est deux terrains nettement différents. Avec 1050 euros, l'Espagne n'a pas qu'à faire un bon 2 semaines pour vivre. De toute manière, la vie est plus chère, tout le bagage est plus cher, transport plus cher, etc. Donc, voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, la vie est beaucoup plus dure, caille beaucoup plus difficile pour joindre, etc. Tout le bagage est beaucoup plus difficile. Ça veut dire, même si vous faites 1500 euros, donc, sous fait 1000 euros ici, on a économisé n'importe 500 là dans nos mois. Et puis, sous fait 1500 euros. Donc, en France, il est impossible pour économiser 500 euros dans 1500 euros. Là, posez l'autre monde qui a la France question. Et puis, il y a Abdou Sanzoulan, c'est vérité. Qu'on est là, et l'eau, une profession, comment ça y est? Seconde profession, parce que, comment ça y est? En plus, vous mettez salaire dans le niveau. Dans le niveau par exemple, customer service, dernièrement, de mon interview. So, pour customer service, pour mon cas, font service à la clientèle, par exemple, qu'on appelle client. Donc, on a niveau 1500 à 1600 euros le mois. On a compagnie pour répondre à appel client. On a niveau 1500 à 1600 euros le mois. Il y a monde qui fait adjudant, ça ne réel pas. Donc, on a aidé les gens à passer fil câble Internet. On a 1350, 1400 à 1500 euros jusqu'à 1600 euros le mois. Donc, dans l'année, nous avons 24 à 25 000 euros par année. Donc, sous besoin, font belle corps, sous besoin, pays à son fait, c'est apprendre une bonne profession, étudier un bon bagage. Ok, un bagage qu'on a besoin, par exemple, électricité. Donc, on est qui étudie l'électricité ici, les jeunes travaillent à l'Ebovini sans être chita. So, même si tu es illégal ou pas gagné un document, donc, mais on sont électricien, la difficile pour être sans travail. Ok, so, ils ont informaticien, so, ou parlent les langues, ça, ils ont vraiment compté ici, hein, so, ou parlent les langues, ou parlent l'anglais, ou parlent les français, ou parlent l'espagnol, ou là. Donc, ou après, ou dans le niveau 1500, 1600 euros le mois. Donc, 1600 euros le mois, c'est cash. Donc, ou dans le niveau pour faire comme ça par mois. Mais est-ce que travail difficile? En plus, fois, nous parlons de salaire minimum et puis, etc. Est-ce que travail difficile? Dans aucun pays dans le monde, travail pas facile. Dans aucun pays dans le monde, travail pas facile. Mais, au dehors, travail là, ici, hein, pourquoi j'en prends sans plus dans aucun pays que j'en ai ici.
C'est-à-dire, demande travail partout et ailleurs. Ou qu'à jouer n'importe monde qui met au non travail. C'est-à-dire, donc, possibilité pour jouer un travail, yo, possibilité pour jouer un travail, yo, en pile, yo, en pile, yo, en pile. Ça veut dire que les pompiers pour gagner un document dans la main et puis pour pas travailler. Donc, sous un pays, si on gagne un document dans la main ou pas travail, donc, I don't know, ou t'as dû bien suspiante avant venir parce que les carrément paraît impossible. OK? C'est-à-dire que c'est pour travail, bien travail. De pour gon bagarre qu'on fait, bien travail et l'État met moyen pour moun apprendre profession et pour moun travail. On moun cap conduit bus dans 3 000 euros par mois. Yon moun cap conduit bus la rue. Pour conduire bus, faut qu'on fait philo, faut qu'un papier philo et faut que papier ça li légalisé. Donc, elle est homologuée, c'est ça, elle est en homologation. Faut qu'elle soit homologuée pour capable joindre. Donc, possibilité pour entrer dans l'école pour apprendre conduire bus. Et conduire bus là, est-ce qu'on paye comme pour ça? Ou qu'on paye comme ça dans l'école privée? Et l'État aussi lui subventionner profession ça également si on voulait apprendre conduire bus. Donc, full bagaille qu'on a fait. Ça m'encourage à mon paraître ou paraître dans le pays. Pas courir sous travail d'abord. C'est mettre bête sous, mettre connaissance sous, apprendre bagarre ou connaître des valeurs. Donc, ou qu'a fait un an, ou pas travail, ou pas grand goût, ou pas tourner, ou pas dormir dans la rue, ou pas gen kay pour dormir tout à fait, ok. Et puis, ou même ou mettre bête sous, et l'on sorti dans la rue, hein, ou sorti pour de bon. So, I think. Si il y a un monde qui vient une grande question, posez-moi. And then, si vous avez une question, just stop. All right? And then, all right. Right now, pour maintenant, j'ai avec moi mon ami Mohamed. Mohamed, viens, tu dois saluer le peuple haïtien. Donc, ça c'est Mohamed. Mohamed, il est. Mohamed, où tu viens? D'où tu viens? De l'Afrique. De l'Afrique. De Guinée-Conakry. Ouais, Mohamed vient de Guinée, donc c'est un ami à moi. Donc je l'ai rencontré, donc ça fait quelques jours, hein. Ça fait quelques mois. Et puis j'ai promis à Mohamed une interview, ou bien Mohamed m'a promis une interview. Donc je crois qu'un jour, hein, on va faire cette interview, c'est pas aujourd'hui. Donc il est un footballeur africain, il joue ici dans une équipe, c'est l'équipe de la ville. Donc très bientôt il va être, je crois, dans la sélection. Donc c'est un très beau type, il est sur les journaux ici. En Espagne, donc c'est très connu, c'est un type très connu. Donc je suis avec lui là. Aujourd'hui, il était là juste pour vous saluer, mais j'espère qu'un jour nous allons avoir une interview. Donc où Mohamed, qui a pu survécu beaucoup de temps ici, il sait beaucoup d'Espagne, donc il va vous parler comment il était venu ici, comment il se trouve ici, etc. Mais nous allons planifier ça, pas pour aujourd'hui, pour un autre jour. Pas Salut tout le pandémie, monde. pas pandémie. Hasta Salut tout le monde, salut. Ciao. Ciao, Ciao, Ah, chicos, bye. Ah, chicos, sorry.